Donc Alain, tu seras en zone 1 et zone 2 avec Swell. Ouais. Hein, vous me ramassez tout ce qui est sac McDonald's, les sacs ouverts. Hein. Michel, tu seras en tri. Daniel, en lavage corbeille. Oui, chef. Oui, chef, voilà, c'est très bien. Allez, hop, c'est parti, les gars. Là, on va collecter toutes les corbeilles du centre-ville de La Rochelle et après, on fait les minimes aussi. Et en tout, on a environ 600 corbeilles en centre-ville et les extérieurs, ça fait environ 1000 corbeilles à vider dans la journée. On arrive à la fin de la journée environ à 400 kg de déchets, l'hiver. L'été, on peut atteindre 800 1000 kg. Ça fait beaucoup de déchets. Ouais. Ce matin, il y a exactement 4 balayeuses, plus une laveuse, un camion de désinfection, des agents en piquage avec triporteur électrique. Et il y a aussi entre 14 et 15 agents ce matin sur l'hypercentre-ville. Le piquage, c'est des agents qui sont en manuel sur un triporteur qui ramasse tous les déchets qui sont dans les caniveaux, trottoirs, et qui ramasse autour de nos corbeilles aussi de la ville, ce qui nous permet en fait de fignoler un peu plus que la balayeuse. Vous avez embauché à quelle heure, monsieur ? Tous les matins, c'est à 5h. Moi, je suis souvent en triporteur. Et sinon, c'est nettoyage des abords, des rues, papier. Et puis là, en ce moment, c'est les feuilles. On voit pas mal de monde, donc on discute pas mal avec des gens. On est avec la population, donc aussi, ça va. Moi, ça me plaît. Sur les après-fêtes étudiantes, les après-soirées, un petit peu arrosées, on va dire qu'une majorité de nos interventions, c'est dû à des incivilités, oui. Disons qu'un tout petit peu plus de responsabilité serait le bienvenu.